Coucou, bah aujourd'hui je vais essayer un maquillage. Enfin, si j'y arrive, je le poste. Si j'y arrive pas, je le poste pas. Bon, là, j'ai rien sur la peau, comme ça se voit. Et j'ai une palette que j'ai depuis quelques temps. La palette Agnès B. J'adore Paris. Il y en a qui ont dû la connaître. Il y a un bleu nuit, un vert, un rose. Ouais, je suis toujours à l'envers, c'est à cause de l'image. Et un blanc. Alors aujourd'hui, je vais essayer un maquillage en mettant le vert sur la paupière, le bleu nuit là, dans le creux, le rose en bas et le blanc, eh oui, dans le creux. Alors, je prends mon pinceau Agnès B. Si je vais passer déjà Agnès B, hein, je sais pas, hein, la couleur, il y a un nom pour estompeur et la petite brosse. Je vais passer déjà ma base Urban Decay sur la paupière. J'ai rien mis sur les sourcils parce que en fonction de comment ça prend, je verrai ce que je mets. Et ça va être trop long. J'essaierai de faire une photo. Je mets ma base pour pas que les pigments tombent. J'essaie de mettre un peu en bas aussi. Voilà. Voilà. Je vais mouiller mon pinceau parce que ça va m'aider à étaler. C'est de l'eau thermale. Allez, on attaque. J'ai mouillé un peu l'ordinateur, mais c'est pas grave. Il se lave comme ça en même temps. Bon, on attaque par le vert. Je tamponne. Je remouille un peu mon pinceau. Oui, pour le moment, c'est pas terrible. Voilà. Maintenant, je vais passer dans le creux le bleu nuit. Là, voilà, mon creux de la paupière et la pointe. Mon écran en même temps qui s'éteint. C'est pas terrible pour travailler. Aura des cils aussi. On va faire pareil de l'autre côté.
Alors, on va utiliser le rose en haut, là, hop, sur l'arcade. Oui, complètement pinceau. Hop. Je vais mouiller parce que je vais faire le bas. Un peu de rose. Et on va utiliser le doré au creux et sous les sourcils. Et on va appliquer le mascara. Moi, je prends l'Yves Rocher, c'est un marron. Et je vais estomper un petit peu. Alors avec un peu de chance, bon, je vais la couper la vidéo là parce qu'il faut que je fasse les sourcils. Ou celui-là, c'est Vera Valentis. Voilà. Alors, soit je peux utiliser le gloss de Vera Valentis, soit je vais utiliser. Tiens, on va utiliser le gloss de Vera Valentis. C'est le combien ça? J'en sais. Il n'y a plus de référence dessus. Il y a un petit crayon. Bon, ça a l'air d'être 1 gramme, je sais plus. Il y a... Numéro 4, voilà, c'est la couleur numéro 4. Comme on a chargé pour les yeux, on va faire pour les lèvres un corail. Je vais essayer de mettre un peu plus de. J'ai reçu ça dans la Glossy Box, un full explose de Smashbox.
pour accentuer un peu le... Et voilà. Après, vous pouvez utiliser de l'anti-cerne. Moi, j'ai rien mis sur la peau là. Là, c'est juste une crème. Re-moi, ben, on pourra dire que je vous l'ai fait en plusieurs parties à vidéo. Là, je viens de passer ma crème. J'aurais dû la passer avant, mais bon. La crème paillot. Bon, ça, c'était juste pour m'hydrater le visage. Hein. C'est spécial ride, mais. Je trouve la texture très sympa, spécial ride ou pas, c'est pour pas que la peau se déshydrate. Et là, j'ai passé un coup de booster, je sais pas lequel éclat, je crois que c'est celui-là qui a été entamé. Ouais. Prendre le Agnès B pour minifier le teint, c'est la crème éclat, indice 12, au pigment correcteur. Effet bonne mine, c'est pour magnifier le teint, pour qu'on voit plus, vous savez, les petites cernes, les petits boutons. Enfin, bon, étage rousseur, j'ai rien contre, hein. Au contraire. Mais bon, voilà, c'est mauvais. Et c'est pour les peaux pâles, hein. Voilà. Bon, j'en ai peut-être mis un peu trop. Que quand il vient d'être ouvert, ça fait mauve comme ça. Et quand vous frottez, vous voyez, ça prend la couleur de la peau. C'est pas très courant, mais ça permet d'avoir une petite mine, vous savez, d'être pas trop blanc, comme pour les peaux très claires, quand j'ai un problème comme moi, regardez. Ça camoufle les petites imperfections de la peau. Je vais faire un peu le coup, voilà, toujours mauve, vous voyez, frotter. Et ça devient couleur chair. Et je m'en mets partout, vous voyez, on voit la différence. Ça camoufle les zones fatiguées, les petits défauts. Et je vais pas mettre plus. Voilà. Moi, ouais, je devrais me faire en bleu plus souvent. Bon, bah écoutez, c'est un de mes essais. On va rester comme ça pour aujourd'hui. Et bisous, bisous. À plus. Non, ça va. Bon, pour une débutante, hein. C'est pas trop mal. Bon, vous me direz vos critiques. Allez, ciao, ciao.